Regardez autour de vous. Presque tout ce que vous voyez demande de l'énergie. Nourriture, eau, chauffage, climatisation, communication. Les outils que nous utilisons au quotidien. Tout cela a besoin d'énergie. Et cette énergie doit rester abordable. Et puisque les gens dépensent une grande partie de leurs revenus pour la nourriture, le chauffage, la climatisation et le transport, des coûts énergétiques plus élevés affectent tout le monde. Les prix de l'énergie affectent notre économie et toutes les entreprises qui opèrent dans le pays. Pour passer à un système énergétique à faible émission de carbone, sans augmentation significative des coûts, nous devons élaborer un plan pour fournir une énergie constante et peu coûteuse. La bonne nouvelle est que l'énergie nucléaire, alimentée par l'uranium, fournit une production d'énergie efficace et économique sans carbone, avec des coûts et des impacts environnementaux réduits. Examinons la consommation d'énergie mondiale. Selon l'Agence internationale de l'énergie, le monde a consommé environ 420 millions de terajoules d'énergie en 2019. Les trois principaux consommateurs d'énergie étaient le domaine industriel, des transports et résidentiel. 90,3% de la production mondiale d'énergie en 2019 provenait de sources de combustible au carbone. Sur les 9,7% d'énergie non carbonée, environ la moitié, 5%, proviennent de l'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire est l'un des producteurs d'énergie sans carbone les plus flexibles et les plus fiables. Et le développement de l'utilisation de l'énergie nucléaire est un moyen de maintenir les prix de l'énergie bas. Elle peut être utilisée dans la plupart des endroits sur Terre et peut générer de l'énergie indépendamment du moment de la journée et des conditions météorologiques sans nécessité de batterie. Elle est toujours activée et disponible avec une faible empreinte et des exigences minimales en matière de carburant et de déchets. Le combustible nucléaire est également puissant et est actuellement la source d'énergie avec la plus haute teneur énergétique au monde. Une pastille d'uranium a une largeur de 1 cm sur 1,6 cm de long et peut produire la même quantité d'énergie qu'une tonne de charbon. Les centrales nucléaires occupent également beaucoup moins d'espace que la plupart des sources d'énergie sans carbone. La centrale coréenne de Hanul, y compris l'expansion de 2022, produit environ 18 MW par acre. C'est 90 fois plus compact qu'un projet solaire moderne. 50 fois plus compact que l'empreinte directe d'un projet éolien. Et 1500 fois plus compact que l'empreinte totale d'un projet éolien. Le principal ingrédient nécessaire pour l'énergie nucléaire est l'uranium, qui est fourni par des entreprises comme Encore Energy. Pour acheminer le combustible nucléaire vers la centrale, l'uranium est extrait du sol à l'aide d'eau oxygénée et traité dans une usine de traitement centrale. Une fois séché, il est ce que nous appelons « yellow cake », qui est ensuite envoyé à une installation de concentration et d'enrichissement pour éventuellement devenir une pastille ou transformer en barre de combustible, une source d'énergie. Les barres de combustible sont transportées vers la centrale et placées les unes à côté des autres dans la chambre de réaction. L'eau à l'intérieur du réacteur est ensuite chauffée, générant de la vapeur pour produire de l'électricité sans carbone. De nombreux progrès ont été réalisés dans le domaine de l'énergie nucléaire et de l'extraction d'uranium au cours des 50 dernières années. L'une des avancées les plus importantes est la récupération in situ ou ISR. Elle permet l'extraction de ces minéraux du sol sans creuser la terre. L'extraction de l'uranium est particulièrement propice à la ISR. Et l'équipe d'Encore Energy est leader dans l'extraction et le traitement in situ de l'uranium. Leurs connaissances et leur expertise ont conduit à des techniques de récupération et de traitement de l'uranium qui réduisent considérablement la quantité de carbone libérée dans le processus d'extraction tout en fournissant une source d'énergie domestique respectueuse de l'environnement économiquement viable. Encore Energy est concentrée sur des projets d'uranium aux États-Unis et utilise exclusivement la récupération ISR pour extraire l'uranium. Pour plus d'informations sur la récupération in situ, consultez nos vidéos sur ce processus. L'énergie nucléaire est l'un des outils les plus utiles pour alimenter notre société, et Encore Energy fournit des solutions écologiques et économiques pour produire de l'énergie nucléaire. Encore Energy s'efforce d'être un fournisseur d'uranium de premier plan pour assurer l'énergie de l'avenir. Économique, respectueuse de l'environnement et fiable.